Bonjour et bienvenue sur Charlie Scrap. Voilà, nous allons décorer une épingle à linge comme ceci. Voilà, qui est déjà décorée à la base. Ça en est une grosse. Donc on va la customiser autrement. Donc pour ceci, je vais prendre une petite dentelle comme ça. Je vais venir la coller ici sur le bord. Donc, prenez votre pistolet à colle. Mettez de la colle chaude. Et vous collez la dentelle au milieu comme ceci. Ensuite, vous prenez une tige comme ceci. Vous allez venir la positionner ici tout le long. Donc là, on baisse les petites perles. On va venir les mettre, les coller. Hop, vous appuyez sans vous brûler. En plus, j'ai un doigt exprès pour pas me brûler que Daniel m'a offert, gentiment offert, et je ne l'avais pas. C'est bien fait pour moi si je me brûle. Voilà. Là, ici, au milieu, là, je vais coller la petite perle qui est là. Sur le petit napperon, essayer de coller mes tiges. Là, j'appuie. Ici, pareil. Voilà, et ici, pareil. Vous essayez de coller vos petites tiges avec le petit filament. C'est pas évident, mais on peut y arriver. Ensuite, on coupera tout ça après. Je vais juste couper le bout de tige là. Sinon, ça va m'enquiquiner. Voilà. Ça vous fait ceci. Ensuite, je vais venir mettre une petite fleur comme ceci au milieu. Ici. Je vais la positionner. Alors, au milieu. Donc, hop, vous remettez de la colle chaude. Vous remettez votre petit truc au milieu. Et au milieu, vous remettez de la colle pour coller à votre fleur. Comme ceci. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais venir prendre un autre petit napperon comme ceci que je vais coller là. Donc hop, mettez de la colle. Vous positionnez votre napperon. Voilà. Ce qui donne ceci. Ensuite, alors j'ai tout déballé plein de trucs. Je vous dis pas, je vais avoir du rangement à faire. Je vous dis que ça. Je vais prendre un nœud. Ma boîte. Alors, je sais pas lequel que je vais mettre, comme d'habitude, mais j'ai quand même ma petite idée. Donc, il y en avait un que j'aimais bien, et je vous le donne en mille, mais je vais pas le retrouver. C'est toujours comme ça. Bon, ben, c'est pas grave. Là, j'en ai des jolis. Voilà, j'ai celui-là et celui-là qui irait bien avec. Celui-là, non. Mais entre celui-là et celui-là, mon cœur balance. Je vais voter pour celui-là. Donc ici, donc, je vais me le garder celui-là. Je vais prendre celui-là, je vais le garder pour
Pour l'instant, il fera partie de ma décoration. Ça, c'est sûr. Il est trop beau. Je l'adore. Je l'aime bien. Voilà, voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors, je regarde. Je vais prendre un petit nœud. Que m'a gentiment offert Claudine. Attendez, parce que je sais pas ce que je veux faire avec ma déco. Je vais le mettre là, sur mon petit nœud. Allez, sur mon petit nœud, je vais le coller. Ici. Et je vais... C'est dommage parce que j'en avais un aussi qui était joli que qu'elle m'a offert. Et celui-là... Non, je vais mettre l'autre. Vite, 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 vite. Ça va être trop tard. Voilà. Voilà, comme ça. Et par-dessus, je vais mettre un petit brillant comme j'aime bien. Donc là, j'en prends un. Je vais mettre toute petite pointe de colle dessus au milieu. Voilà. Et je vais venir le positionner. Ma petite pince, hop, et je le pose et je le mets. Oups, voilà, on attend un petit peu. Voilà, regardez, je vous fais un petit nœud comme ça. Vu, c'est joli, hein, c'est beau, j'aime bien, moi, très joli. Elle m'a offert de très 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 jolies choses et je la remercie infiniment. Alors, nous allons continuer cette petite décoration de petites fleurs. Ensuite, nous allons remettre des petites fleurs. Alors, je cherche mes petites fleurs. Je vais agrémenter de ces petits trucs là noirs et je vais prendre des petites fleurs de là. Alors attendez, de ma petite boîte. À force de piocher dedans, je vais arriver aussi à court. Je le sens bien, joulotte. Là j'en ai encore des petits trucs comme ça, je vais les sortir. Celles-là elles sont trop hautes. Un petit abonné aussi qui me les avait offert. Moi, je vais prendre celles-ci. Elles sont trop belles et elles vont très bien aller avec, ce que je veux faire. J'ai un brin partout. Si vous voyez ma... Oh, j'ose même pas là. J'ose même pas y penser. Parce que quand il va falloir que je range tout ça, et j'en ai déballé. Hein. Le pire, c'est qu'il faut tout ranger après. C'est l'horreur. Donc, je vais en découper. 4 au moins. Oui. 4. Voilà. Et je vais venir les poser ici. Donc une qui va aller là. Donc un petit peu de colle. Vous collez. Vous appuyez. Une ici. Vous voyez, sur chaque côté. Je vais même en mettre une là. Attendez. Hop. Une ici. Voilà.
une de l'autre côté. Alors ça serait bien que je les mette du même niveau. Voilà. Je vais peut-être en mettre une ici. Alors je mettrai mon petit nœud là et j'en mets une là. Ou je vais mettre une autre. Alors là, je vais couper 4 petits bouts aussi. Une. Ces petites tiges dorées. Et moi je les coupe au bout. Celle-là, je vais la couper plus grande. Ça, je voudrais les mettre ici. Et je pense pas que ça pourra aller. J'aurais dû mettre les tiges avec. Attendez, c'est assez minutieux, c'est même un petit peu embêtant quand il y a des tiges. On va voir si ça fait bien quand même. Non, c'est pas grave, je vais les garder. Je vais mettre un mini cœur ici entre les deux. Hop. Et je glisse mon petit cœur. Voilà. Oh, je vais bien trouver des choses, vous savez. Je trouve toujours des petites choses. Même de rien. Un gros cœur, ça ferait beaucoup trop. Eh ben non, ça fait bien. Allez, hop, je vous mets un là. Il faut oser. Il faut toujours oser mettre des choses. Même si vous avez peur, faites. C'est que comme ça, on a des jolis résultats. Moi, c'est ce que je fais tout le temps personnellement. Je ne regrette pas mes choix. J'aime bien. Ensuite, peut-être aiguiller un peu ce petit chose. Des fois, dans les petites perles, on trouve des petites merveilles. Vous voyez, hop. Où je vais la mettre là, il ira très bien. Un petit peu de colle. J'ai mis un petit peu beaucoup, c'est pas grave. Hop, on vient la coller ici. On enlevera les filets de colle après. Alors, je regarde. Vous savez que j'aime bien regarder moi mes petits trucs. Essayez de mettre une petite fleur comme ça ici. Ça va égayer. Ça va faire ressortir. J'en avais des roses, il me semble. C'est pareil, ça, c'est Agnès qui me les avait offert. Ben, je vais mettre. Je vais la mettre comme ça. Voilà, ça va ressortir. Je vais mettre celle-là. Oui. Mon chéri qui m'appelle. Je vais finir votre petit tuto.
Voilà. Ici, je vais mettre le petit ruban que j'ai enlevé tout à l'heure, que j'ai fait tout à l'heure devant vous. J'adore travailler les pinces à linge. Et regardez ma petite pince à linge. Voilà. Vous avez vu? Voilà ma petite pince à linge que j'ai montée. Et après, vous pouvez la mettre sur un embellissement, hein, même sur ça. Regardez. Regardez sur ce que ça ferait sur la dentelle. Vous avez vu? Ça ferait super joli. Comme ceci. Vous la mettez où vous voulez. Voilà. Donc, un petit embellissement sur une épingle à linge. Voilà, voilà, mes petites abonnées. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chanel Scrap. Bisous, bisous!